Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons, nous jouons les Carthaginois. J'ai galéré. L'intro était, comment dire, somme toute, punchy. Le reste n'était pas terrible. Le Nova Carthago, j'ai... pourquoi je... Ah ouais, c'est plus mon client, c'est plus rien en fait. Nova Carthago, on va redonner le statut de client. Merde. Oh les petits cons. Pack de non-agression, accès commercial, accès militaire. Ah voilà, ça va marcher. C'est quand même l'arnaque, hein. Me fait trop rire. Le principe même est génial. Il me surkiffe. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, hein, mais bon, il me surkiffe. Ici, est-ce que je peux faire... Rien du tout. Syracuse. Ah ouais, je m'entends bien avec Syracuse. Affinité culturelle. 50 ? Hein? Mais je suis punique. Attends, c'est quoi le délire? Affinité culturelle. What? Attends, mais c'est quoi le délire là? 70? Mais attends, mais. Hein. Je m'entends trop bien avec tout le monde. C'est un délire! J'avais même pas remarqué. Il y a un truc, je... Waouh, c'est sûrement le bonus de ma faction. Hein. Attends, je voudrais voir. J'aimerais bien savoir si je peux voir le... Bonus diplomatique mineur, affinité culturelle, oui. Mais la valeur... Non parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est pas bonus diplomatique mineur. Là c'est bonus diplomatique pété. Hein. Honnêtement. Oh mince. Moi j'ai pas le détail. Ah j'aurais bien aimé avoir le détail là. Oh. Alors à moins que les puniques s'entendent bien avec tout le monde sauf Rome. Donc au contraire, un truc que je comprends pas. Allez, on va terminer le tour ici. Ouais. On va pas terminer le tour ici. Ok, là on faisait une embuscade. On va voir s'ils vont tomber dans l'embuscade ou pas. C'est quoi, c'est les Gétules? Les Gétules vont-ils tomber dans mon embuscade? Pacte de non-agression, mais... Je vais mettre oui. J'ai pas envie de les avoir sur le dos, honnêtement. On verra après. Mais je comprends pas comment je peux avoir un pacte de... Enfin, une affinité culturelle aussi énorme d'un coup. Là. Je... Non, on peut maintenant, parce que de toute façon, il est en train de se taper contre Massilia. J'ai un nouvel enfant. Isabelle. C'est sympa aussi, comme nom, Isabelle. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, moi j'aime bien. Dimidi. Il y a du monde hein, dans leur garnison à Dimidi. Alors qu'à Midgol, ils sont. Bah j'ai pas l'information à Midgol. Sont 13. Recruter un peu. J'aimerais bien leur prendre quand même 10 midi, mais j'ai peur que ça passe pas. Après, ils ont pas beaucoup d'unités corps à corps. Ils ont de l'infanterie esclave. Ils ont les éléphants là qui peuvent me poser problème. Et ils ont quelques unités à distance. Ils ont des javelots, des archers.
Ils ont 3 javelots, 9, 2 archers. Ah, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Je sais pas si je peux forcer une attaque de sa part. On va essayer à ça. On va mettre position fortifiée là. On va voir si on, si on venir ou pas. Là ils sont 20. Je suppose qu'ils vont bientôt traverser la mer. Eh, ben bingo. Donc je vais vite me rendre à l'allié avec ma flotte. Parce que ça va être dur à défendre. Traité de paix. Je refuse. Traité de paix. Je refuse. Ah, Anon est revenu avec deux tourberies. Pardon? Oh merde. Un tour avant reddition? Pardon, je vous ai sûrement cassé les tympans. Mais un tour avant la reddition? C'est une blague ou si c'est une blague, j'aime pas du tout. Ben, au bout d'un moment, putain, je suis une colonie. Enfin, c'est une colonie portuaire, quoi. Je vais être obligé de recruter un. Bon, toi, t'es à peine adulte que tu vas partir au front. Hein. Je suis désolé, hein. Enfin, un tour, putain, c'est abusé. Normalement, faut arrêter la fumette, hein. C'est grave. Là, je suis obligé d'aller intercepter la Légio là-bas. Un tour avant la reddition. Jamais vu ça. Connerie. Alors, je veux voir si ici ça passe au niveau d'attaque là. Vu qu'ils ont quitté la ville. Ça me fait prendre l'armée de garnison. On a ça, il faudrait que j'arrive avant leur troupe en fait. Garnison, ils ont pas grand chose, là ils ont ça. On est d'accord, ils arrivent en renfort, hein. Ils sont pas là de suite normalement. Je vais attenter, alors. Ah merde. Ça c'était pas prévu ça. Elle va être plus compliquée que prévu. Hein. Ah, le fait qu'ils sortent. Ah c'est pas con. C'est même pas con du tout. Mettre en première ligne mes hoplites. En deuxième ligne. Mets les vestes. Et. Mettre mes éléphants là. Ceci, c'est savoir. Va savoir d'où vont venir les renforts, quoi. Je peux pas non plus les faire courir comme des éreintés quoi, ils vont être vite fatigués sur le moment quoi, surtout des hoplites. Ah quoique hoplites moyennes. Ah intéressant. Alors je les fais arriver vite, on a de la chance. On a de la chance. C'est regarder qui est là. Là, ils sont totalement seuls. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer le passage ici. Là, je les fais pas courir et j'envoie mon général, je pense, là-bas. Quoi? Ah, mon général, merde. Non, mon général, tu as... Oh, coucou. Non. Là, ils ont pas l'air de vouloir venir à ma rencontre. Non, mon général, je vais lui dire de se manier le fiac.
Là, je vais faire du tir enflammé pour faire peur aux bêtes. Les hoplites, ils sont pas très très rapides, même si ça va. Ah, mon but là, ça va être d'intercepter un maximum de ses troupes à lui. Hein. Là, d'aller foncer dans le tas, il a très peu d'unités à distance, il a des frondeurs là, c'est tout. Ça va vraiment être d'intercepter à balle. Alors, ça reste de la cavalerie numide. Hop! Changement de plan. On va se tourner un peu comme ça. On va se tourner comme ça. Voilà, pour réagir et envoyer des flèches enflammées et que la cavalerie elle se prenne les hoplites, quoi. Non. Alors, ça, c'est chiant quand ça arrive. Je sais pas si ça vous le fait. Mais là, tout a été désorganisé, quoi. Oh là, fait chier. Et là, ils vont se prendre une charge par l'arrière, les miens. Et ça, je peux vous dire, les gars, c'est terrible quand ça arrive. Ils se manieraient pas, bah, ils bougent plus. Eux, ils veulent plus bouger. Eux, il y a une charge et ils ont dit bah non mais merde. Mais... Oh les pertes. Oh les pertes. Oh les pertes. Oh c'est mauvais ça, c'est mauvais. Réorganisation les gars. Réorganisation de fou hein. Hop ici, de côté, vous les gars, vous reculez, vous allez comme ça. Et mon éléphant, lui, il va charger dans le tas. Non mais les pertes, hein. Bon, il a tué les éléphants parce que il devenait fou. Là, je vais essayer de les intercepter. Je vais arrêter les tirs enflammés. Alors, on va foncer dans le tas. J'en ai rien à secouer. Voilà, allez les éléphants, voilà, faites le café, faites le taf, j'en ai rien à secouer. Bon, par chance, mes unités à distance n'ont pas trop été impactées. Là, il fuit. Putain, je me suis pris une sale charge hein, quand même. Ouah, tcha tcha. Là, je refais une charge là sur les lanciers derrière, là, voilà. Hop, une charge sur l'infanterie esclave. Au corps à corps, la cavalerie, elle va prendre très cher. Hop, eux. Arrêtez de tirer, vous faites plus mal à vos propres copains que autre chose. Voilà, non mais ouais, heureusement il y a les éléphants. Hein. Il me faudrait une petite unité de cavalerie là pour aller sur les frondeurs, ouais. Ils ont déjà tué 750 à mes unités d'éléphants. Allez les gars, chargez-moi ça. C'est gratuit. Et maintenant, chargez les frondeurs. C'est gratuit aussi. Bon. On va se repositionner là. Ah, d'accord. Bon bah, on va se repositionner ou pas. Ah, eux. Voilà. Pas besoin de faire beaucoup plus.
Là-bas, mon éléphant les poursuit. Bientôt 1000 pertes de la part des éléphants. C'est d'une stupidité. J'adore. Et c'est sa première bataille, lui? C'est sa première bataille. Eh ben, ils tiennent, hein, pour du... C'est des esclaves, ça? Ben, putain, pour des esclaves, ils sont motivés, hein. Moi, je serais esclave, je serais pas motivé comme lui, hein. Clairement, je le dis, hein. Je sais pas comment dire, mais en gros, fais de moi un esclave et je ferai tout pour te le foutre par derrière. Hein. Ah, y a pas de. Je peux me barrer dans le champ de bataille parce que je suis esclave et te donner l'infériorité numérique, je le ferai, les gars. Allez, voilà, bon, on s'est débarrassé déjà d'une bonne partie. Arrêtez, 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 arrêtez de tirer. Qui c'est qui tire? Eh, mais ils sont en tir à volonté alors que je les ai. Bon, c'est pas grave. Hop, arrêtez de courir, vous les gars. Voilà. Bon. En état d'épuisement, deuxième partie. Voilà, on accélère. 1130 pertes avec la. Bon. Là, il va falloir que je la joue fine en vrai. C'est-à-dire que là, je vais envoyer mes éléphants là-bas. Là, je vais déployer en longueur mes hoplites. Que là, je vais déployer encore plus en longueur mes javelots. Voilà, j'y vais tranquillou. J'y vais tranquillou. Le but étant de retrouver un peu la forme avec les unités. Les hoplites, ouais, c'est des hoplites moyens, quoi. Tu m'étonnes, c'est une unité d'hoplites pourrie, ça. Et ils sont modernes, hein. Je sais pas en quoi ils sont modernes, mais ils sont modernes, hein. On va s'avancer un peu. Voilà, pas plus. Pas plus haut que le bord, comme on dit. Et le but, c'est que chaque unité d'hoplite va foncer sur une unité de javelot. En faisant ça, les unités de corps à corps vont foncer sur moi. Les éléphants fonceront sur les unités de corps à corps. Et bon, par contre, la cavalerie. Attends, quoi, 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 quoi? Ah, merde. Des unités de javelot, les unités d'archer. J'avais zappé ce détail. Ok, il y a une unité qui va pas avoir ses troupes, des troupes sur lui, c'est dommage. Dans l'autre sens, à mon avis, j'ai deux unités qui pourront pas arriver au corps à corps et se feront exterminer avant. Toi, tu fonces. Et qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, ils sont en train de se réorganiser, je sais pas trop comment, mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu en soi parce que si le champ de bataille c'est un. Plus le champ de bataille est regroupé, plus c'est avantageux pour mes éléphants. Donc voilà, rien à foutre. Hein. Hop, eux, on va les avancer. Apparemment, on n'est pas assez près. Ouais, mais c'est parce qu'ils arrêtent pas de reculer forcément. Voilà. Donc, comme je disais, plus le champ de bataille est regroupé, plus ça serait à mon avantage. Faites faire volonté les gars. Voilà, objectif, foutre le bordel. Quitte à aller les chercher avec les unités à pied, hein. Franchement. Voilà, moi j'ai mes éléphants là par derrière, ils font café, mais alors un café de fou. Je vais juste essayer de faire en sorte qu'ils soient pas trop effrayés par les tirs là. Hop, on va essayer de choper la supériorité numérique un peu partout. Super, super. Là, on est en train de les faire reculer, même si on a de lourdes pertes. Là, on les fait reculer parce qu'ils ont peur de la charge. Là, on les a pris. Là,
On va les défaire un par un, une par une les unités. Ah bah tiens, les archers là-bas. Signe de faiblesse, tu m'étonnes là-bas. Bah ça se passe pas très très bien comme prévu. Hein. Eux là, ouais, non, parce que voilà. Et son état d'épuisement, on a même perdu un éléphant là. À force d'aller, d'aller dans le tas là. On a quand même fini par... Oh merde. Bon, heureusement on est en formation amplite donc on est moins mauvais contre les charges. Voilà, bon. Ouais, ils se sont fait écraser là contre les murs, hein, c'est compliqué pour eux. Il y a deux unités ennemies. On a de la perte, on perd ce côté-là du front, ça c'est dommage. Ça galère un peu à avancer. J'ai encore une ruée au cas où. Donnera un bonus de charge. C'est pas si mauvais que ça. Ah là c'est pas bon là par contre. La cavalerie là elle est juste à me foncer dessus là. Je manque d'unité corps à corps. Là j'ai des membres de tribu qui me tiennent en 1 contre 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ouf. Ok on va avancer là. Vraiment chargé de fou. Là on va charger la cavalerie. Ça va leur faire mal à la cavalerie là. Le général ennemi il va pas aimer. Hein. Ouais vous voyez. 1600 pertes presque avec les éléphants. Quoi. Parce qu'à la fin de la bataille on arrivera aux 1600 pertes. Bon. On va avancer sur les archers là-bas. J'ai une unité de hoplite, on sait pas trop d'où elle sort, mais tiens le coup, après. J'ai reperdu un éléphant, ok. J'ai fait une ruée parce que je veux pas qu'ils fuient là. Ouais, la gueule de la ruée. Ouais. En même temps, ils sont en état d'épuisement, et bah, ils auront fui avant l'arrivée de mes troupes. Eh ben c'est une victoire, mine de rien. Là je vais juste poursuivre histoire de faire les 1600 pertes. Si ça va bien vouloir. Oui. C'est une victoire oui, très coûteuse. En effet très très coûteuse, mais on les aura défaits. On aura réussi à les défaire. Les éléphants, ils sont passés de expérience 0 à expérience 5. Niveau 0 à niveau 5. C'est tranquille. Franchement. Après, eux, ils vont peut-être revenir attaquer. Mais moi, je leur ai foutu une sacrée... une sacrée baffe. Guillemets quoi. Bah, il va y avoir rébellion. On va réparer. On va faire maison, terrain de rassemblement et maison. Et je vais pas dépenser plus. J'ai besoin d'argent là pour. Pour me défendre au niveau de Carthago. Parce que là, compliqué, complicado. Oui, complicado, hein, voyez. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ouais, bon, ils ont gagné un niveau, mais... Ouais, 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 dur. Très très dur. Oh putain, risque de sécession à 23%. C'est Magonide. Magonide, 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 ils sont... J'espère qu'ils n'ont pas de terrain surtout.
Ah non, il les avait pas. Tricheur, mauvais joueur, c'est pas correct. On verra bien si c'est la merde ou très la merde. Ici, je suis censé gagner. On va la jouer comme vous savez. Et maintenant que je suis à égalité numérique, j'ai l'avantage. Alors, je vais peut-être perdre un ou deux navires. En soi, tant que je perds ni l... Oh, je m'en fous. Oh, je m'en fous de qui je perds en fait là-dessus. Donc, hop. Ouais, allez, ça passe. Là, on va le foutre ça sur le côté. Si je peux perdre ça, je préférerais perdre cette unité-là plutôt qu'une autre. Mais sinon, le reste, pas important. Elles avancent bien, hein. Vous voyez, par rapport à la portée, déjà, ils ont bien avancé. Hein. Allez, feu à volonté. Le but, là, c'est qu'en arrivant au corps à corps, ils soient... Enfin, ils peuvent arriver au corps à corps. Le principe, c'est au moins de les avoir touchés, de leur avoir fait des dégâts pour avoir plus qu'à faire une charge dessus, quoi. Voilà, il y a même les baleines qui sont là. Baleine, cachalot, enfin voilà. On permet le corps à corps au niveau des navires. Parce que là, le souci, c'est qu'ils vont pouvoir nous mettre feu en fait. Ils ont tellement de levesses. Oh le salaud. Oh les salauds. En plein dedans en plus, hein, putain. Ils ont pas fait semblant. Hop. Là, forcément, ils vont essayer d'aller choper mon amiral. Donc je vais ordonner la charge générale. Là, j'ai des unités qui ne servent à rien, donc je vais les envoyer. Voilà, je commande la charge générale. J'ai les 20 coups à faire. Là, forcément, ils voient un général, ils vont dessus. Hein. Ils réfléchissent pas, ils cherchent pas à réfléchir. Hein. Ça reste un bot, faut pas déconner. Oh my god, un général, un amiral. On va tous dessus, quoi. Là, on est bon, là, on est bon. Là, j'ai. Quoi? J'ai foiré ah, putain, j'ai foiré mon épronage, là. Il me faut du renfort, absolument. Sinon, je vais perdre cette unité. En plus, qui vient d'entraîner, j'ai pas envie. Là, on a fait la charge, là, on a fait la charge. Éperonnage. 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 Là, on arrive, les gars, on arrive, tenez bon, s'il vous plaît. Ok. Ouais, ça va être juste. Ils vont même les finir, je pense. Je vais avoir perdu un navire. Sauf si j'arrive à terminer la bataille avant. Je n'ai plus qu'à envie. C'est foutu. Ce navire-là, je l'ai perdu. C'est un bon navire en plus. Dommage. Pourquoi il recule comme ça, lui? Il est costaud, lui, hein. Avoir perdu mon navire. Après une perte contre tout ça. On va voir. Mais bon. C'est vrai que j'aime pas trop perdre des navires. C'est très chiant à XP. C'est très chiant à recruter. C'est très chiant à réparer. Ouais, je l'ai perdu là. Bon, je vais relâcher pour les thunes, pour les boulesses. Comme ils disent maintenant. Ouais. Bah non. Où est-il une sécession? C'est surtout ça. Rébellion, non. Si. Ah putain, sécession plus rébellion imminente. Reddition imminente, je veux dire.
Je sais pas si ça va passer. Hein. Alors, première question déjà. Est-ce que je peux arriver à Nova Carthago? Oui. Je sais pas si ça va le faire. C'est la merde. C'est la merde, là. Je vais peut-être perdre Carthage. Hein. Je vais sûrement perdre Carthage. Là, j'ai des rébellions en plus. Bon là, je vais aller sur les frères de Baal. L'avantage que j'ai, c'est que il y a une troupe dehors, donc je vais obliger les autres à l'intérieur à sortir. Et ça va leur faire des pertes. Une fois. Je peux pas une deuxième fois, je suis obligé de prendre. Ah si, c'est bon, c'est pas grave. La résolution en mode agressif. Perdu deux troupes. Ah bon? C'est pas grave. C'est qui ça? C'est un de chez moi ça? Ouais, c'est un de chez moi. C'est qui? Ah ok. Ok. Oh bah super. Tu es un entrepreneur. Ouais. Et là, j'irai sur Ibossim. Moi. Bon, ça règle un de nos trois problèmes. Là, je vais aller défendre Alalia. Passe à beaucoup de Romains. Là, je suis même pas sûr de pouvoir les défendre, en fait. C'est ça qui est chiant. Je suis pas dans la ville. On va tenter, on va tenter. Je vais prendre des troupes pas trop trop chères, si possible. Ouais, pas trop trop chères. Oula, 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 non. Pas trop trop chères. Hein. Du prix que ça me coûte par tour en plus. Bon, on est en ville. On est en ville et on peut se défendre. Ouh, pas facile. Pas facile là. En plus, ils valent rien. Hein. Ils valent rien à relâcher en esclave. Mettre en esclave, ils valent rien. Putain, fait chier. Bon. À dissoudre, ça me coûte trop cher à garder. Les plus chers, les plus chers, les plus chers. Tout ça, c'est le plus cher là. Ça, c'est mon général. Tu vas être un commandant, toi aussi. Permettre de... Non, je vais dissoudre, j'ai besoin d'absolument avoir de l'argent. Surtout que là, avec Ibossim qui est tombé, bah j'ai pas d'entrée de sous de Ibossim, carte d'acheteur, à peine. C'est compliqué. Je vais marier mon enfant. Oh! Plus d'une influence culturelle punique dans toute la faction, ça c'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. Voilà, j'ai les espions qui arrivent à chez les Gétules. Je vais essayer de les faire mourir de faim. Pendant que Nova Carthago. Le but de Nova Carthago, ce sera de les faire tomber, hein, les Gétules. Qui me propose un traité de paix, bah fais la paix avec Nova Carthago. Et que ça veut dire. Ah, ça a été repris. Oh. Quand que ça va si mal, quand ça va pas bien. Donc j'ai tout Carthadasht qui est abîmé là. On va sauvegarder déjà. Voilà. Je vais voir au niveau de la Corse. Ouais, impeccable.
Au niveau de la Corse, je vais intercepter la Légio. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. En vrai, j'ai juste besoin d'eux. Il y a pas mal de légionnaires en plus. Des Principes, je veux dire. Le Principes, c'est la statique qui va là, c'est cher. Mais bon. Regardez, lancier. Non, mais c'est quoi cette carte aussi de merde? Ça parce que j'ai des unités terrestres, quoi. Bah non. Je veux pas, j'en veux pas, quoi. Commencer le déploiement. Bah oui, bien sûr que je commence le déploiement. Là, le souci, c'est que j'ai peur qu'ils veulent. Qu'ils essaient tous de débarquer, quoi, en fait. Attends, on est vachement pris là, non? Ah, pas plus que ça. Ah si, hein, ah si, encore on est prêt, hein, bordel. Oula. Ok, et au niveau de la portée, on est beaucoup trop près. On va essayer, voilà. Cavalerie a débarqué, et ça a aucun sens, quoi. Ce cavalerie a débarqué, je sais pas pourquoi. Je vais me retrouver avec deux péons là et demi là qui vont débarquer à pied. Ouais, vous voyez là. Ils vont tous chercher à causer. Et là, eux, jamais ils tiendront. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent tenir, mais. Mettre la populace sur le côté. Mon but, c'est de leur faire de la perte. Hein. De toute façon, là, y a pas de. J'ai pas des. Si, voilà. On va faire venir pareil l'enfort. Là-bas, je vais juste perdre, à mon avis. J'en ai vraiment pas grand chose à secouer. La populace, je sais pas ce qu'ils viennent foutre dans le tas, mais voilà. Là, si vous pouviez taper les écutesses au lieu d'essayer de taper je sais pas quoi, là. Ça m'arrangerait. Je vais décaler les hoplites là, vu qu'apparemment ils veulent m'attaquer que d'un seul côté. Là, populace effrayée, tu m'étonnes. Là, ils sont tous à moitié traviole, je sais pas trop pourquoi, c'est dommage, là pareil. Là, je vais demander à ce qui s'est tapé, hein, parce que là, ils vont mettre 3 ans à aller. Allez, avoir à distance, donc hop. Bon, on va faire ça. 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 Et je vais les faire avancer un peu. Voilà. Pendant que. Voilà. Avec des petites rafales enflammées, je vous prie. Ah lui, il a pas obéi. Hein. Oui. J'ai dit non, je ne veux pas spécialement obéir, quoi. Puissance de feu parée. On se met en position. Vos ordres. Parée. Arme parée. Allô, allô, je te donne un ordre. On n'a pas grand chose à faire de mes ordres. Hein. C'est terrible. Ouais, tout ça qui va réussir à débarquer, mais bon, bah, je partirai. Hein. Je partirai de la bataille, c'est tout. Hein. Sera considéré comme étant une défaite, mais bon bah je continuerai à les poursuivre. Hein. Les ah, déjà j'ai fait tomber leur général hein, donc. Allez à vos rames les gars. S'il vous plaît quoi, au moins permettez-moi ça quoi. Ça, Bon.
On se met en position. Nos projectiles attendent vos ordres. Ils arriveront pas à temps ici. Hein. Les dieux sont avec nous. Le courroux de Baal Amon, faites-leur goûter à l'acier. Ah bah si. Voilà, la scie pouvait aller à gauche plutôt qu'aller à droite, mais bon, bah apparemment ils veulent pas aller à droite, c'est dommage. Non, 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 débarquez pas, débarquez pas. Bon là ils sont buggés, ça arrive souvent hein, les batailles navales, hein, les bateaux ils sont archi buggés. Hein. Ah ouais, merde, le général il est pas mort, attends, attends, faut vite que j'aille chercher avant de battre en retraite. ils sont allés jusqu'à se foutre dans le mauvais sens. Hein. C'est pas, enfin c'est chaud quoi. Merde, 1, 2, 3, 4, 5 navires en un mauvais sens. Normalement, faut arrêter la déconnade quoi. Ouais. Allez, dégommez-moi ce général les gars s'il vous plaît. On les laisse reculer. Là, les hoplites, ils sont tous sauf dans le tas. Ouais, forcément, ils fuient. Mais il a raison de fuir. Là le but par contre faut pas que je les laisse fuir. Donc toi je sais pas comment tu te démerdes, je veux pas savoir, tu vas au full corps à corps là. Il me traverse comme le fil à couper le beurre, c'est quoi ça? Oh, ok. Allez. De toute façon, je vous laisserai pas tranquille tant que vous aurez pas démonté ce général. C'est non négociable. Allez, hoplite là. Bon, hoplite. Putain, mur de hoplite. On retire parce que vous êtes des merdes. Si vous prenez une charge, c'est pas mon problème. Xavier Car, arrêtez d'être nul. Là, il y a un peu de gens qui viennent derrière, quoi. Tiens, d'ailleurs, ça. On va pouvoir sonner la retraite. Ça sert à rien de rester. Voilà, 8. On va aller chercher, hein. 6. Bastion des Leves, ok. Ouais. Bon. Quand même à prévoir, il se barre. On va sonner la retraite. On a une carte pourrie. Je sais pas pourquoi, on n'a pas pu les intercepter avant qu'ils viennent sur mer, sur terre. J'en ai rien à foutre moi d'avoir ces troupes là. Mais comme on peut pas les retirer, bah... Et on l'a dans le fiac. Hein. Ah, donc retraite. Accélère la retraite. Oh, c'est ce que j'appelle une retraite organisée.
Fête de justesse, j'ai perdu quelques troupes pourries, on s'en fout. Ouais, je lui ai fait des pertes au moins. Mais par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'à cause de ça, bah, je peux pas gagner d'argent parce que j'ai pas, c'est pas considéré comme une victoire, quoi. C'est con. Je me suis fait enculer. Pardon. J'ai pris cher par le jeu. Ouais, bah oui. Tu veux pas aller plus loin? Putain. Regardez jusqu'à où il a fui. Il a fait le tour de la Corse en... Ouais, il a le tour du monde en 80 jours. Demande à Hannibal, lui, il a fait le tour de la Corse en une demi-journée. Hein. Du coup. Bon, au moins, le bon côté, c'est qu'ils vont plus pouvoir débarquer. Mais merde, fait chier, quoi. Enfin, zut, c'est embêtant. C'est pas ce que j'appelle une victoire, là. Je sais pas ce que j'appelle une défaite tactique, là. C'est ce que j'appelle une défaite cuisante. Je sais même pas si je vais pouvoir reprendre ma ville. Réparation 1102. C'est un tour. 1500, oui. Toujours plus, les gars. Esclave. Ah, mais sérieux, maintenant c'est les esclaves qui sont à Carthage. Oh, les gars. Putain, respectez-moi. Eh, mais maintenant ils vont là! C'est la merde! Je sais pas comment mes alliés peuvent perdre, sachant que je me prends autant dans la tronche, quoi. Et honnêtement, je sais pas. Je me prends mais des rafales dans la tronche. Et on perd! On perd! Ah, quoi! Merde, ils sont 17 là! Que ça le dissuadera un peu, quoi, j'espère. Le problème, c'est que j'ai pas envie de recruter de mercenaires. Sinon, ça me coûtait une blinde. Là, il y a des esclaves, donc je peux pas bouger. Là, 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 là. Et là, j'ai pas d'argent parce que eux, ils m'ont filé entre les doigts à cause de cette connerie de renfort sur terre, quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Bah, bon courage, hein. Bon courage pour ce tour à venir. Mon tour qui est à venir, parce que 17 contre pas beaucoup, dont des esquintés, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, j'aimerais au moins avoir une petite cavalerie, quoi. Est-ce que j'ai de la cavalerie, là? Rien. Des javelots, j'ai même pas de frondeur. Ah, yeah. Bon, Rome. On va pas attaquer, a dû fuir. Garamante. Ouais, bah oui, c'était. C'était prévisible. Le souci étant, c'est qu'ils ont que des unités à distance. Que je n'ai qu'un unité d'éléphant absolument totalement pourri. Le nombre d'archers, là, ça va être problématique. Ils ont qu'une unité corps à corps. Le but, ça va être de charger avec mon éléphant, quoi. Ça passe pas, hein? Bah non, ça passe pas. Voilà là. Voilà là. Voilà là 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 là. Compliqué. Compliqué. Et qu'est-ce que ça c'est cette carte-là? Ça va être encore plus compliqué. Ils sont 30 en moyenne, pas. Bon, je vais en planquer quelques unités là. Je vais pas vraiment planquer ces unités, mais je vais les foutre ici. Ça va les attirer à minima, quoi. Là, il me faut mes unités à distance.
Ils vont chercher à jouer le point, donc. Là, j'ai mes éléphants, là, mes trois éléphants. Oui, oui, oui. Allez, bonne chance. Attendez, hein. Après, il y a les esclaves à se taper. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, là. Trois unités, quatre unités là, je vais les mettre ici pour qu'elles évitent de se prendre trop facilement des tirs, des projectiles. Là, je vais mettre, hop, la populace sur deux lignes. Histoire d'attirer les tirs. Ici, je vais me planquer là. Et ce que j'espère, c'est être à portée de tir avec, avec ces unités là. Ils vont chercher le point. Ouais, merde. Putain. C'est à prévoir. C'était à prévoir, mais après, suffit que je me rapproche et ils vont vouloir se barrer. Hein. Ils sont pas fous au point d'aller au contact, normalement. Voilà. Je vais te faire le yo-yo, là. Et ils chargent vraiment, là? Ah ouais? Bah écoutez, on a une pluie de projectiles, ça m'intéresse. Allez, on bouge! Quand je vous en donne l'ordre, les gars, on bouge quoi. Si je vous ordonne quelque chose, vous n'avez. Non, par contre, non, non, ça, ils ont pas le droit quoi. Ils ont. J'ai jamais vu une unité aussi rapide que ça! C'est des Formule 1, les machins! Ils ont l'accélération d'une Formule 1! Il faut du 0 à 100 en une demi-seconde! Même la Formule 1, elle est plus lente! Bon, par contre, je vais y perdre mon général, hein, très sûrement. Quoique. J'ai réussi à accrocher l'unité de mercenaires. Là, ils ont du mal à tirer, forcément. Hein. Alors, il y en a quelques-uns là qui arrivent, mais. Ce n'est pas très très accessible hein, comme endroit. Là, à faire ça, ils vont avoir plus de pertes sur leurs propres unités qu'autre chose. Non. 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 On va faire reculer les éléphants. Les tirs enflammés, ça les rend fous. C'est vraiment pas une bonne chose. Là, on va faire mine d'envoyer la populace dessus. Ça va faire un... Ouais. Ça va les divertir un peu, bon même si la populace ça va prendre cher, c'est pas très très grave, ça reste le général en vrai. Une perte de général, c'est toujours une grosse perte pour les unités barbares quoi. Hop, là je vais faire venir la populace justement en parlant d'eux. S'ils veulent venir, les frondeurs ils vont se prendre... Ils vont avoir une surprise. Ah non, je suis à portée là. Merde. Ça les a rendus fous. Ça les a rendus fous. Ils voient les troupes les plus proches. Ce sont les miennes. Fais chier. Allez, fuyons. Clairement, je me barre. J'en ai rien à secouer. Fuyez les gars. Voilà, là, tu vois, t'as des unités. Là, si tu veux bien aller sur des unités qui... Je vais clairement pas tuer les éléphants. J'en ai rien à secouer. C'est un général en plus qui ne fait pas partie des miens. Bon par contre tu choisis tes cibles mais tu n'y déroges pas quoi. Là on va envoyer la populace, elle est rapide la populace. C'est à moi ça? Non c'est pas à moi, pourquoi j'ai l'infanterie esclave, yes, super. Là on les met de côté comme ça. Et là on va aller chercher, c'est à dire que s'ils bougent pas, ils vont être dans la mouise là-bas. Oui, ils l'ont bien compris. Ah mais attendez. Bien sûr que je vais charger avec mon général s'il veut bien charger.
d'infanterie, merde. Là, on est pas trop mal. Là, on n'est pas trop bien. J'ai pas des... Ouais, mais oui, mais arrêtez. Vous, allez là-bas. Et si vous avez plus de munitions, vous allez au corps à corps, hein, c'est tout. Hein. J'en ai rien à secouer. Hein. Voilà. Si vous avez des munitions, bah vous les tirez. Mais au bout d'un moment, vous faites quelque chose, quoi. Ah, rompiche quoi, les gars. Non, mais bon. Si ça avance pas, on va les faire, les forcer à avancer un peu ces éléphants parce que bon. Vous voyez ? Eh, il suffit de faire avancer les éléphants pour que ça fonctionne. Depuis combien de temps je vous le dis ? Non, par contre, là, c'est de l'IRSP. Hein. Moi, j'appelle ça de l'IRSP. Hein, à ce stade-là, faut pas déconner non plus. Hein. Les gars, ils sont à 2 mètres et demi là. Et... Voilà. C'est pas compliqué, si. Ouais, mais les éléphants de guerre, ils vont aller charger les éléphants, là, les éléphants, les archers. Non, ils veulent pas. Ils sont devenus fous par je sais pas quoi, mais ils veulent pas. Non, ils sont même pas devenus fous, hein, ils veulent pas. Ah si d'accord, ils deviennent fous pendant une demi-seconde parce qu'il y en a deux et demi là qui ils reçoivent deux flèches et demi. Ok, on les laisse pas passer là, j'en ai rien à secouer par contre. Toi tu fonces dessus, même si vous êtes 7. On va refoncer dessus, j'en ai rien à secouer. Ce passage n'est plus autorisé maintenant. Voilà. Je peux pas y aller parce qu'ils sont dessus là. Et là, on va forcer ce passage-là. Voilà. Interdire ce passage. Eux, ils sont toujours... Il y a une flèche de temps en temps qui leur arrive dessus, un projectile, et bon, ils en peuvent plus, quoi. Voilà. Là. J'en retourne 2, 1, 2, 3, 4. Je bloque, j'avance, je bloque. Non, ils m'ont pas écouté, hein. Ils veulent pas obéir à mes ordres, non, c'est terrible. Hein. Allez, voilà. Là j'en ai un à secouer, c'est corps à corps à fond. Là c'est vraiment corps à corps à fond. Vous ne tirez plus parce que j'ai des éléphants dans le tas. Ok. Faites un mur de hoplite si vous voulez. Voilà, toi tu vas charger là-bas. Ça a l'air gagné, ça a l'air, je dis bien. Ah, bah ils ont plus de munitions, c'est con ça. Bon, après là, il est en infériorité, il se fait. Allez, on va aller chercher là. Voilà! J'ai vu ces frondeurs là-bas. J'ai une unité ici. Ok, pourquoi pas. Là, on arrive, les gars, on arrive. Ils me demandent mes ordres. Ça fait une demi-heure que tu les respectes pas. Pourquoi tu me les demandes? En fait, c'est un peu. Quels sont vos ordres que je puisse les ignorer? Yes. On a le même principe, hein. Ils veulent pas tomber. Nos ordres. Engagement.
Là, le général qui est là-bas, bon bah il a plus de morale. Je vais continuer histoire de leur faire des pertes. Parce qu'ils m'en ont fait un paquet, mine de rien. Eux, ils sont pas voulu aller dans le tas, hein, c'est dingue. Ok. Bon, j'ai fait perdre pas mal d'unités, mine de rien. Je leur en ai fait perdre 1800. J'ai perdu la moitié de les miennes, par contre. Merci les javelots, qu'on fait le travail, mine de rien. Merci l'éléphant, qui a un peu foutu le zbeul, qui a tenu surtout. Voilà, je relâche parce que vous connaissez la doctrine. On a besoin d'argent. Non. Mes alliés de la Libye, là, je leur en ai défoncé deux, hein, je peux pas faire mieux. J'ai défoncé deux groupes ennemis, je peux pas t'aider beaucoup plus, hein, franchement, j'ai pas beaucoup plus de ressources à donner, là. Puis-je vous aider davantage? À votre service. Dame Tanit, bénis notre voyage. Ok. Là, ok, pourquoi pas, j'ai une expérience. Et eux là je vais les couler par contre, la Légio 1, j'ai une revanche à prendre là. Une belle revanche à prendre, la bataille de la marée. Tirelum, la Xème, je ne sais pas combien. Pas de pluie, pas de brouillard, du sec. Hop. Impeccable. Maintenant, moi, il est juste à attendre que ça tombe tout seul. Pourquoi ils sont traviole? Pourquoi il est traviole lui? S'il faut traviole quoi? C'est quoi ton problème là? Mais sérieux? T'as tiré par quoi? Le vent qui te pousse alors que t'as pas les voiles, c'est ça le problème. Bon, première salve, aucune perte. Première ou deuxième salve, hein. Je crois que c'est la deuxième salve. Donc les gars, vous êtes nuls. Troisième salve, aucune perte. Non, vous êtes très bon. Vous êtes très bon pour faire de la merde, parce que honnêtement, c'est chaud d'avoir un résultat comme ça. Prenez les rames. On se bouge. Ah mais je vous dis toutes mes félicitations, hein. Être nul à ce point, c'est très difficile. Hein. Wow, vous avez fait deux de pertes. C'est très nul. Ouais, je vous le dis les mecs, depuis le temps en plus que vous vous battez en mer. Ils font tout pour pas être précis et en plus là c'est. Moi ouais, je dis on a des traîtres dans nos rangs, exécutez-les. Hein. Exécutez celui qui a mal visé quoi. J'ai envie de dire que si même moi j'y arrive, c'est que c'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Et maintenant on se concentre là, on a des navires à couler les gars. Ouais, il en reste plus que deux. Ils sont rapides hein, quand même. Hein. Allez, plus que deux. J'ai pas dit déjà qu'il en restait plus que deux. C'est un peu con.
Bon, ils veulent pas. Clairement. Voilà, suivant. Qu'un. Voilà, plus qu'un projectile sur un. Bon, ça ira plus vite en... Non, c'est bon. Voilà. Bon, peut-être pouvoir gagner un peu de pognon maintenant. Appuyez ce maro là, on va le relâcher s'il est toujours en vie. On relâchera ses hommes s'ils sont toujours en vie. Enfin, pour ceux qui sont toujours en vie. Après, je les ai tous vus couler, hein, personnellement. Donc, en plus, en armure. Oh, y a, y a. Ah, 2376, ça c'est bien ça. Voilà, on va même pouvoir se reconstituer tranquillement. Et on a des thunes, on a 5721 de côté là. Aïe aïe aïe, mais oui, ça c'est bon. Alors, premièrement. Les gars remontent là. On va aller chercher quelques-uns là qui restent en vie. Mais je vais plus en entendre parler. Ça fait deux armées que je leur... Non, c'est les Massamons, ah oui. Titan 16. Allez, finis-les, là. Schlack. Ah. Là. Quelques esclaves avec ça. Loyaux défenseur, je pense que ça me servira. Ça, les esclaves. Oh merde, putain, Lilibom. Je le sens mal à Lilibom, je le sens mal. Ça, j'en ai pas besoin. Est-ce que je développe Alalia? Ouais, j'ai des revenus de thunes ici hein, quand même. C'est important même. Ok. Ok. Bon, ça aurait été compliqué hein, cette session. Qui n'est pas terminée d'ailleurs. C'est quoi ça? Oh merde, c'est un amiral. Voilà. Voilà. Résolution en mode agressive. On reprend notre dû Ibossim. On occupe. On va pas piller, faut pas déconner non plus, ça reste à nous. Ah. Ah oui, je vais vous appeler ça aussi. Voilà. Voilà. On refera le temple plus tard. On n'a pas trop... Putain, qui crame. Oh là là, terrible. Tacoticien. Et on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode compliqué, mais j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.